Oh, là on est bien plus que 1000. Hein. On n'a pas de nos campeurs. Hein. On va dire que la prochaine fois, on va être encore. Ouais, écoute, c'est simple, tu demandes à la police si tu veux que tu te formes. On part 10 maintenant, il faut me tuer par 10. Maintenant, c'est par 10 depuis les jeunes. Pas guider les syndicats disent que c'est eux qui ont fait l'armée du monde, hein, parce qu'apparemment, voilà, là, c'est il y a, pas les camions. Il y a plein de choses là, les teufeurs sont nombreux. Hein, ils sont nombreux. Mmh. Mais tout ça, ça fait depuis 11 ans qu'ils sont là en train de préparer. Les bars, les restaurants, la culture, les salles de sport. Syndical Gilets jaunes, réunissant près de 1000 personnes, François Souleymane, préfet de l'Ardèche, avait ici même tenté de forcer le passage dans la manifestation. Tous ensemble, nous l'avons bloqué. Depuis le week-end dernier, il est allé sévir ailleurs. Nous souhaitons bon courage et détermination aux citoyens d'Eure-et-Loire. Et lui signifier que pas plus aujourd'hui qu'hier, nous accepterons l'autoritarisme et le mépris. En Ardèche, on lâche rien. Ceci était une déclaration des gilets jaunes ardéchois, sud-Ardèche, fâchés, pas fachos. Chers amis, chers camarades, Macron, depuis qu'il est au pouvoir, n'a cessé de vouloir remettre en cause les grandes lois de liberté pour imposer un état d'urgence sanitaire qui, bien sûr, ne protège pas du coronavirus, mais permet à contrario de réprimer la population qui combat sa politique antisociale. Par ailleurs, il veut mettre en place la loi dite sécurité globale qui renforcera les moyens énormes dont disposent déjà les policiers. Et empêchera les journalistes et citoyens de filmer les interventions des forces de l'ordre. De plus, en cette année où nous célébrerons le 150e anniversaire de la Commune de Paris, se trouve du côté des associations, syndicats, partis, pour combattre les dérives autoritaires et totalitaires de Macron et de son gouvernement. On en a marre d'être invisible, on en a marre de ne pas être entendu, on en a marre de demander l'abandon de cette putain de réforme de l'assurance chômage qui va encore nous précariser et rien n'est fait. Ils veulent rien lâcher, la précarité s'accentue, ils veulent rien entendre sur le RSA pour les jeunes ou l'obtention des droits ouverts au chômage après 2 mois de travail. Et tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, je voulais vous dire, les syndicats, c'est aussi un outil, on est à votre disposition, vous pouvez venir nous voir tous les mardis à la permanence. Il y a la CGT, mais il y a les autres aussi qui ont des permanences. Restez pas seuls dans votre coin, il y a des moyens. Les syndicats sont des outils de lutte, d'entraide et de coopération. Merci. La France s'est fournie 66 millions de procureurs. Pour lui, toute critique est inacceptable.
mais c'est en même temps l'aveu que l'écrasante majorité de la population rejette sa politique. Et c'est la raison pour laquelle la terrible autoritaro-dictatoriale actuelle de Macron est le seul moyen de compenser sa politique d'expulsion de ceux de l'ancien ont bâti comme modèle de solidarité. Jamais on n'a connu une telle dérive autoritaire. Tout ça parce que Macron veut passer en force. Parce que Macron veut poursuivre la casse du bac, la casse des hôpitaux, de ce qui reste de la sécu. Est une gangrène qui touche les personnes qui la subissent, une gangrène pour ceux qui l'exercent, une gangrène pour l'ensemble de la société. En instrumentalisant la lutte antiterroriste et les déchirements de nos sociétés modernes, de nouvelles lois sont promulguées qui restreignent encore plus nos libertés et stigmatisent une nouvelle fois les personnes musulmanes ou considérées comme telles. La montée des idées d'extrême droite dans la police et dans l'armée est une réalité. 57% des actifs dans la police, selon le CEVIPOF. La DGSI et la STAT ont exprimé leurs inquiétudes face à l'apparition de groupuscules d'extrême droite issus des rangs de l'armée et des forces de sécurité. C'est l'élaboration d'une pensée favorisant la confusion des idées et des valeurs. Selon eux, les ennemis du peuple sont les syndicalistes, les féministes et les antiracistes, alors qu'il faudrait accueillir avec compassion les militants d'extrême droite. Le 5 juin 2013, Clément Méric est mort sous le coup des... Les syndicalistes, les féministes, les antiracistes et toute personne ayant comme valeur l'égalité, l'émancipation, l'amitié entre les peuples œuvre pour une société plus juste et plus humaniste. Elle ne divise pas, mais au contraire, lutte contre toute discrimination de classe, de genre, de sexe, d'ethnie, de couleur de peau, en toute sororité et fraternité. Méfions-nous du silence des pantoufles, car lorsque l'on entend le bruit des bottes, il est déjà trop tard. El pueblo unido jamás será vencido. Le port du masque, cela ne doit pas nous empêcher, bien au contraire, de lutter sans relâche contre toutes les lois liberticides mises en place depuis des décennies par les gouvernements successifs. Actuellement, Macron, profitant de la pandémie Covid, a mis en place un état d'urgence sanitaire sans cesse prolongé. Il fait également voter des lois d'exception comme la loi Sécurité globale qui organise la surveillance policière des populations et s'attaque à la liberté d'informer en tentant de museler les journalistes. La loi dite « confortant les principes républicains » stigmatise une partie de la population, les musulmans, et remet en cause la liberté d'association garantie aujourd'hui par la loi de 1901. Toutes ces lois et décrets d'exception renforcent l'état policier, mettant à la disposition d'un apprenti dictateur un arsenal juridique dont même l'extrême droite n'aurait pas rêvé. En aucun cas, ces dispositifs totalitaires ne servent à la protection sanitaire, ni sociale, ni économique de la population. Durant la grave crise que nous traversons, les plus riches s'enrichissent, les plus pauvres crèvent, et la casse de l'hôpital et des services publics continue. Non à la sécurité globale, oui à la sécurité sociale.
de la part du MRAP. Donc nous appelons à une mobilisation pour Amidou, un jeune qui est suivi par le MRAP, devant le commissariat à 11h30 mardi. Voilà. Pour lutter contre une OQTF qui lui a été adressée et donnant lieu à une expulsion et qui fait partie d'une parmi tant d'autres qui ont été adressées par la préfète avant son départ. Et nous appelons aussi à une grève interprofessionnelle nationale le 4 février avec un rassemblement à 14h à l'Agora à Aubenas. Merci. Un pays en couleur, Ardèche de mon cœur, c'est du bon vieux terroir, sublime à s'émouvoir. Un pays, un air pur, Ardèche de mon cœur. C'est du bon vieux terroir, sublime à s'émouvoir. Un pays en couleur, Ardèche de mon cœur, c'est du bon vieux terroir, sublime à s'émouvoir. Un pays, un air pur, Ardèche de mon cœur.